Et on commence par la Tunisie, avec les premières élections municipales depuis la révolution de 2011, une étape importante pour la stabilité de ce pays qui construit la démocratie jour après jour, malgré les tensions sécuritaires et les difficultés économiques. Avec nous en direct de Tunis, Maureen Mercier, notre correspondante en Tunisie. Alors Maureen, bonsoir. Et apparemment, les Tunisiens ne se bousculent pas dans les bureaux de vote. Oui, effectivement, à 21% de participation selon le dernier pointage. Les bureaux ferment dans moins d'une heure, là maintenant. Selon les dernières enquêtes, 60% des Tunisiens déclaraient qu'ils n'iraient sans doute pas voter. Confirmation hein, dans les bureaux de vote de la capitale, c'est vrai qu'on ne voit franchement pas les gens se précipiter. À titre de comparaison, en 2014, lors des législatives, 70% des citoyens s'étaient rendus aux urnes. Là, c'est le phénomène inverse hein, qu'on observe. Alors pourquoi ces premières élections municipales ne soulèvent pas l'enthousiasme? Bien parce qu'ici, on ne fait plus confiance aux partis au pouvoir. Le chômage reste élevé à 15%, l'inflation est à 8%. C'est aussi un message que les Tunisiens adressent à leur classe politique en n'allant pas voter aujourd'hui. Un des enjeux, Maureen, de ces élections, de ces municipales, ce sera le score du parti islamiste. Oui, Denarda, c'est vrai qu'ils sont capables de mobiliser bien plus que les autres formations politiques. Ils ne cachent pas leurs ambitions, hein, d'ailleurs. Leur objectif, c'est de faire un score supérieur à celui qu'ils avaient fait lors des législatives en 2014. Tous les observateurs pensent effectivement qu'ils sortiront vainqueurs, mais selon la participation, si effectivement ils l'emportent, ce sera une victoire qu'il faudra vraiment nuancer, hein, donc. Alors au final, on peut se poser aussi la question, quels seront les pouvoirs de ces nouveaux conseils municipaux en Tunisie ? C'est une question très importante parce que c'est la question qui finit de décourager les Tunisiens. Les décrets d'application du nouveau code des collectivités locales n'ont pas encore été établis. Pour y parvenir, cela peut prendre facilement un an. En clair, les conseillers municipaux seront élus, mais sans connaître exactement leur cahier des charges ni les moyens qu'ils auront à disposition. Tout prendra donc énormément de temps. Il faut s'armer de patience, mais tout de même, hein, ces municipales, ça reste une étape très importante dans le processus de démocratisation. Merci Maureen Mercier pour ces précisions en direct de Tunis. Élections, je le disais aussi, au Liban, des élections législatives là-bas, les premières depuis 9 ans, pour renouveler les 128 sièges du Parlement libanais. Le Liban, pays du conservatisme politique et de la corruption, fragilisé aussi par la crise économique et surtout par la guerre en Syrie, avec la présence de plus d'1,5 million de réfugiés sur un territoire plus petit que l'île de France. Antoine Delpierre. C'est le nouveau visage de l'électorat au pays du Cèdre. Comme ces jeunes, à peine en âge de voter pour certains, sur les 3 700 000 Libanais appelés aux urnes, plus d'un cinquième vote pour la première fois. Rien d'étonnant, en une décennie, le Parlement et ses 128 députés ont prorogé par trois fois leur mandat. J'ai quitté la maison ce matin à 5h30 pour aller voter. Ça fait 9 ans que nous attendons ces élections. Nous sommes les premiers à voter et c'est la première fois pour ce type d'élection. C'est législative. Bonne chance à tout le monde. Une jeunesse qui aspire au changement d'une classe politique dominée par les mêmes noms de famille depuis plusieurs décennies, le clientélisme et la corruption. Le mode de scrutin proportionnel, appliqué pour la première fois, a permis l'émergence de listes indépendantes, tout en respectant le subtil équilibre confessionnel propre au système politique libanais. Nous espérons que cette élection reflétera votre volonté. Il y a toujours des candidats parmi ceux qui se présentent qui ont votre préférence. Choisissez la liste et votre candidat favori. Alors qu'à la mi-journée, le taux de participation s'élevait modestement à 24,5%, l'espoir suscité par ces législatives va-t-il retomber? D'après les observateurs, les partis traditionnels comme le Hezbollah, chiite ou le courant du futur de Saad Hariri devraient encore dominer le Parlement. Sauf surprise, l'actuel Premier ministre devrait être reconduit à la tête du gouvernement. Oui, pour avoir des précisions, notre correspondant au Liban, Wissam Sharaf, est en direct avec nous depuis Beyrouth. Alors Wissam, d'abord un mot sur la participation. Elle semble plutôt faible ce soir. Oui, effectivement, la participation est faible. On n'a pas encore les chiffres globaux de la journée. Ils ne devraient pas tarder à être publiés par le ministère de l'Intérieur. Mais les chiffres sont bas. Les Libanais ont malheureusement une désillusion vis-à-vis de leur État. Les voteurs sont convaincus, et c'est malheureusement la vérité, hein, que le Liban est l'un des pays les plus corrompus du monde et que les partis politiques qui le gouvernent vont tenter par ces élections de s'accrocher au pouvoir, de se régénérer,
Les Libanais ne sont pas dupes du pouvoir qui, malgré les multiples gouvernements et parlements, malgré les centaines de promesses au fil des années, n'a jamais été capable de régler les problèmes qui les concernent quotidiennement, la crise socio-économique, la corruption endémique, le manque d'électricité, les ordures et j'en passe. Alors Wissam, ces premières élections depuis 9 ans, est-ce qu'elles peuvent réellement changer le paysage politique libanais ? Pas vraiment. C'est la première fois que le mode de scrutin proportionnel est appliqué. Il y a de nombreuses listes issues de la société civile qui ont été encouragées par ce nouveau mode de scrutin et qui témoignent un peu de l'espoir de changement du Parti des Libanais, notamment au niveau de l'écologie, de la laïcité, de la lutte contre la corruption, qui sont les thèmes majeurs de ces candidats. En cela, quelques candidats de ces listes risquent d'obtenir quelques sièges au Parlement, et malgré leur faible chiffre, ce serait une victoire symbolique. Mais en tout cas, une chose est claire, les grands partis vont, à des pourcentages qui leur appartiennent, remporter ces élections. Et justement, le Hezbollah, ce parti chiite qui est proche de l'Iran et de la Syrie, restera le parti dominant au Liban ? Écoutez, les enjeux de ces élections sont très importants pour le Hezbollah et pour l'État libanais, pour le parti de Saad Hariri, un peu pour tout le monde, à commencer par l'État. La communauté internationale a octroyé un prêt de 11 milliards de dollars à l'État libanais, un prêt sur lequel le Liban compte pour soutenir son économie. Mais la communauté veut des preuves que cet État fonctionne, qu'il peut respecter les échéances électorales, qu'il peut faire un minimum, qu'il peut montrer que c'est un État qui peut fonctionner. Le Hezbollah, de son côté, sait que les Américains et les Saoudiens ne lui feront pas de cadeaux dans la prochaine période. Alors, il cherche un maximum de parlementaires pour avoir un maximum de contrôle sur le prochain gouvernement. Il s'est donc allié à des druzes, à des chrétiens, à des sunnites, des alliances parfois contre nature, pour renforcer sa légitimité et montrer que c'est un parti qui représente toutes les tendances du pays. Et enfin, Saad Hariri, qui a été malmené par le prince héritier Mohamed Ben Salman récemment, qui l'avait forcé à la démission, et lui-même en recherche d'une nouvelle légitimité à travers ces élections. Il met toutes ses forces dans la bataille pour rester le premier ministre d'un gouvernement issu d'élections parlementaires propres. Merci Wissam Sharaf en direct de Beyrouth et puis la capitale turque.